Good morning, Ismaël. Good morning, Hanan. How are you? Ça va très bien, et vous? Good morning, Ismaël Akwe. Good morning, Ismaël Akwe. Yes, it's a great morning, and oui, c'est un grand jour. Zimbabwe, they are mocking. Et on parle du Zimbabwe. They've created a ministry of WhatsApp and Facebook. Yes, I mean, I saw that yesterday. But it's not true. They have a cybersecurity ministry, and it's supposed to check cybersecurity, and obviously, it would check those things too. But we'll talk more about that later. And African countries, les pays africains utilisent progressivement la technologie pour promouvoir la bonne gouvernance. Le dernier exemple en date est l'application mobile lancée au Zimbabwe pour informer les citoyens et permettre un examen minutieux du travail parlementaire. Le pays d'Afrique australe a commencé avec le lancement d'un site web il y a un an depuis l'application iOS, Android et Windows la semaine dernière. L'application donne à tous l'accès aux lois et projets de loi, publications événements parlementaires, enregistrements parlementaires en direct et un blog en direct pour les dernières nouvelles du Parlement. Les documents peuvent être téléchargés directement à partir de l'application qui, selon les passionnés de la technologie, nécessite un peu de peaufinage. Il existe une initiative similaire au Ghana appelée Odecro qui offre également au public un accès en ligne aux projets de loi, aux motions et des débat parlementaire. Odecro est un site de veille parlementaire lancé en 2012. Il doit développer dans une application. La plateforme a gagné en popularité, surtout depuis qu'elle est utilisée dans les réseaux sociaux. Disons que les citoyens africains s'impliquent dans la gouvernance avec la possibilité d'examiner les procédures parlementaires et d'interpeller leurs représentants. Je dois dire cependant que ce sont des cas isolés. Nous avons encore du chemin à faire. Toujours au Ghana, lancement d'un système d'adressage numérique de 2,5 millions de dollars pour repérer des emplacements dans tous les 5 mètres carrés du pays. Le système fonctionne via une application appelée Ghana Post GPS, développée par la société locale Vocacom. L'application est gratuite, disponible pour les utilisateurs d'Android, iOS et Windows, et présente dans une solution. L'application est intégrée avec Google Maps pour permettre une navigation facile d'une zone particulière détaillant les principaux réseaux routiers et autres points de repère. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous vous connectez à l'application, après le téléchargement, vous devez vous inscrire avec votre nom et votre numéro de téléphone. Après l'inscription, vous recevez une notification par SMS pour vérifier votre numéro de téléphone. Vous devez ensuite activer un bouton de localisation de votre téléphone, puis appuyer pour obtenir l'adresse. Cela génère l'adresse numérique composée de lettres et de chiffres représentant la région, le district, le code postal, une adresse unique et l'emplacement. Après la génération de l'adresse et une alerte signifiant l'exactitude, l'application donne à l'utilisateur la possibilité de sauvegarder l'emplacement. Vous pouvez utiliser l'application pour contacter les services d'urgence, des points de repère dans d'autres endroits du pays. Les experts ont souligné quelques défauts qui doivent être corrigé pour rendre l'application plus efficiente. Enfin, en Afrique du Sud, touchée par une énorme violation de données qui a touché plus de 30 millions de personnes, décrite comme la pire violation de données de l'histoire, les données personnelles de plus de la moitié de la population du pays ont été divulguées en ligne dans un fichier de 27 gigaoctets trouvé la semaine dernière. La violation a été découverte par l'expert australien en sécurité informatique, Troy Hunt. Il dit que les informations remontent à avril 2015, mais ne pouvait pas confirmer leur durée en ligne. Le serveur d'une société immobilière locale serait la source de la violation. L'on ne sait si l'information a été consultée par des tierces. L'Agence de sécurité d'Afrique du Sud dit enquêter sur cette violation qui est une préoccupation majeure pour tous. Les experts disent que l'information pourrait être utilisé pour usurper l'identité, infiltrer les comptes bancaires et menacer la sécurité nationale. Je suis Ismaël Akwe, c'était SciTech.